Oui, c'était un bon match pour nous tester, pour voir à peu près où on en était. Donc ça faisait une semaine de préparation qu'on a faite et aujourd'hui on a gagné 5-0. C'est important pour nous, pour la confiance et pour voir ce qu'on a mis en place avec, cette semaine avec le coach. Et ça s'est plutôt bien passé. Moi je me sentais bien, c'était une bonne reprise, j'ai eu de bonnes sensations. Moi j'ai raté deux chances où j'aurais pu marquer. Et bon, l'essentiel c'est qu'on a gagné 2-0 la première mi-temps et 3-0 la deuxième mi-temps. Ça s'est bien passé, donc je suis content, je me sentais bien dans l'ensemble. C'était un peu difficile, mais ça allait. On a bien travaillé cette semaine physiquement. Donc les 5-10 premières minutes du match étaient un peu compliquées pour trouver les repères. Mais après, ça s'est bien passé. On a marqué assez vite dans la rencontre et après, on a géré, quoi. C'était difficile, beaucoup de courses. Mais on est encore là, on tient encore sur nos jambes. Et voilà, il reste encore une semaine de préparation avant de partir en Turquie. Et on est concentré pour bien terminer la saison. Mais en tout cas, pour cette année, personnellement, j'ai envie encore de goûter à la joie de marquer un but, comme c'était, et après, qu'on se qualifie pour les playoffs, qu'on soit dans les 6 premiers, et pourquoi pas aller le plus loin possible aussi en coupe, et voilà quoi, gagner le maximum de matchs. Voilà, maintenant, j'entame ma troisième saison avec le club, je me sens bien. Il y a un nouveau coach qui parle italien, les coéquipiers aussi, on s'entend bien, il y a une bonne atmosphère. C'est un groupe de jeunes qui vit bien. Et voilà, donc je me sens bien. J'ai tout pour m'épanouir, quoi.